Salut à tous! KH3. KH3, comme son nom l'indique, est le troisième jeu officiel de la licence. Enfin, officiel. Il y a eu d'autres jeux, mais c'est des spin-offs. Tels que Chain of Memories, Last Night's Sleep, 358, voilà. Là, c'est des spin-offs. Les vrais jeux qui se passent officiellement dans la continuité de Sora, c'est le 1, le 2 et le 3. Le reste, c'est du lore. Voici donc, en exclusivité, mes voeux pour KH4. Numéro 1, le retour de la caméra. J'adorais prendre des selfies, que ce soit des ennemis, des NPC et d'autres trucs. J'adorais cette fonction. Et j'adorais encore plus prendre des photos. Numéro 2, le retour de perso FF. Je trouve que c'est ce qui manquait dans KH3, les persos Final Fantasy. Alors, je dis pas le retour de Cloud et Sephiroth, évidemment, mais genre Squall ou le mec de FF9 aussi, ou Lightning, ça aussi ça pourrait être bien. Ouais, franchement, ça serait cool. Et en plus, comme ça, on pourrait faire des photos avec eux, ça serait sympa. Numéro 3, un monde Final Fantasy. Je veux dire, ça aussi, c'est un truc qui a jamais été fait dans les KH. Un monde Final Fantasy. En plus, là, ils ont passé un cap, ils ont mis des mondes Pixar, donc pourquoi pas un monde Final Fantasy? Ou pourquoi pas aussi un monde Star Wars ou Marvel, vu que Disney possède ses licences. Numéro 4. Un mode mission comme dans 358. Pour ceux qui ont joué à 358 sur DS, vous savez qu'il y a un mode mission où on peut accomplir des missions en jouant le personnage qu'on veut. Et donc, j'apprécierais que dans KH4, il y ait un mode similaire, permettant donc de faire des missions notamment avec les autres persos de licence. Voilà, c'était mes souhaits pour KH4. N'hésitez pas à partager votre en commentaire. Et bonne rentrée! Attends, quand ça, je suis en retard pour annoncer la rentrée. Oh, ok.